Le yoga nidra est une très ancienne technique du tantrisme. Les traces sont lointaines dans les textes et dans les enseignements directs. Ça ne se limite pas qu'à une simple relaxation, mais c'est un voyage intérieur pour comprendre soi et le monde à travers les méandres de la personnalité, de la conscience et du mental. Yoga nidra et relaxation vont de pair, mais en même temps ce n'est pas exactement la même chose, même si par commodité, par simplicité, on traduit yoga nidra par relaxation. La relaxation est un des éléments du yoga nidra, mais le yoga nidra est vraiment ce voyage intérieur de connaissance. La relaxation est un art, apprendre à se détendre par exemple dans n'importe quelle position, bien sûr allongé, mais également assis, mais également debout, mais également en marchant. C'est un art qui exige, qui demande une vraie prise de conscience intérieure. Repérer, savoir ce qui est tendu, le relâcher, le détendre. Prendre conscience de l'espace et du temps intérieur, du son et de la vision intérieure. Tout ça, ça fait partie de la relaxation, tout ça, ça fait partie du yoga nidra. Par le yoga nidra, nous allons essayer d'investir tous les processus, tous les conditionnements, tout ce qui concerne l'espèce, l'univers et l'individu. Tous les individus d'une même espèce fonctionnent un peu selon le même schéma, selon les mêmes conditionnements, ce sont les mêmes lois, les mêmes règles d'énergie ou de pensée qui les conditionnent. Une part minime finalement de ce qu'ils sont concerne leur individualité. Les 80% des fonctionnements qui animent un être humain, comme tout être de toute espèce, sont uniquement des relations, des interactions, des conditionnements de l'espèce elle-même. Il faut donc arriver à trouver dans ce processus, qu'est-ce qui nous appartient en propre, qu'est-ce qui appartient à l'espèce? Et yoga nidra est une vraiment belle méthode pour arriver à percer ce mystère. Parce que quand on dort ou quand on rêve, dans le sommeil, la structure mentale n'est plus du tout la même, beaucoup moins rigide, elle est beaucoup plus floue. Ça devient un véritable labyrinthe dans lequel l'individu peut naviguer plus facilement, oubliant ainsi ses conditionnements, soit-il énergétique, soit-il karmique, soit-il physiologique, soit-il ceux de l'espèce, ou de la société ou de l'éducation que l'on a reçue. À l'état de veille, le mental est structuré selon tous ces éléments. Façon de penser, langue, époque, morale, société, éducation parentale, etc. etc. Mais dès que l'individu s'endort, tout ceci s'effondre. Tout ce bel ordre, tout ce bel agencement, d'un seul coup s'effondre. Et tout devient plus flou. Nous avons donc là vraiment une possibilité de nous infiltrer à l'intérieur de nous-mêmes et d'apprendre à nous connaître, à repérer ce qui n'est pas nous, et à découvrir au fond de notre intimité, dans la plus profonde immobilité du cœur, à découvrir ce que l'on est vraiment. Yoga Nidra demande en préalable avant tout à se détendre, à savoir se relaxer, à savoir se détendre. Le sommeil n'est pas qu'un espace réparateur, c'est aussi un espace de connaissance. À travers ces différentes phases, ces différentes étapes de sommeil, sommeil profond, de rêve. Yoga Nidra donc va utiliser toute cette typologie, toute cette méthodologie du sommeil, à travers des séances types, plus que cela même archétypales, qui font référence à l'individu et à l'espèce et à l'univers également, et aux interrelations, interconnexions qu'il existe entre les uns et les autres. Nous allons essayer de découvrir qui nous sommes et éventuellement de changer, de modifier, de soigner, d'évoluer, de comprendre, de connaître l'intégrité, la globalité de qui nous sommes, de l'univers et de notre relation à nous-mêmes et au monde. Yoga Nidra est donc un travail sur le sommeil conscient. Ceci est un point important pour le yoga, pour les yogis. Partant du principe que l'on passe un tiers de sa vie à dormir, donc globalement, ordinairement bien sûr, un tiers de sa vie dans l'inconscience, les yogis depuis toujours ont imaginé, ont testé et mis au point une méthode qui permet de garder un filet de conscience pendant ce temps-là. Ainsi, bien dormir pour un yogi, c'est se réveiller plusieurs fois et au cours de ces réveils avoir des prises de conscience, simplement du souffle, de l'instant, de la saveur, du plaisir, de qui l'on est. Donc l'art du sommeil dans le yoga va être cet art du réveil en même temps et du repérage des processus d'endormissement et de réveil, de façon à ce que, le plus souvent possible, des états de conscience affleurent, viennent, se produisent pour briser la lourdeur, la torpeur, l'inertie du sommeil profond, de l'inconscience profonde.